Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Let's Play, cette fois-ci sur Crash Bandicoot, premier du nom, voilà, le tout premier. Donc on va se taire et on va écouter. Pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, un petit peu de rétro gaming. Voilà, c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur PlayStation 1, si je dis pas de bêtises, il y a des années de ça. Et il est ressorti donc sur PS4. J'ai décidé de l'acheter et de vous le faire en let's play. Voilà, c'est magique. J'ai l'impression de revivre quelque chose alors que je l'ai jamais fait celui-ci. Moi j'avais fait le 3 à l'époque. Le 1 je le connais pas. Mais bon, c'est du Crash Bandicoot. Allez, c'est parti. Franchement, c'est un vrai kiff, c'est un pur bonheur. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui connaissent, qui ont déjà joué à ce jeu. S'il y a des connaisseurs parmi vous, n'hésitez pas à me le dire. Ah merde, je pensais lui avoir sauté dessus, mais en fait, je l'avais un petit peu raté. Hop, on récupère toutes les pommes, évidemment. Ça fait plaisir. Merde. Yes. Le checkpoint qui fait plaisir. Ah, ils ont appelé ça point de contrôle, d'accord. Oui, c'est du français, mais à la base c'est écrit en anglais, checkpoint. Ça fait plaisir. Oh, c'est énorme. Rejouer à ce jeu, c'est des sensations énormes. C'est terrible. Gauche, droite, ouais, on va aller à droite. Ah, je me suis raté. Parce que le but, ça va être de, si c'est comme le 3 en tout cas, ça va être de ramasser vraiment toutes les caisses. Enfin, merde. Oh, la mort bête. Le but va être, ouais, de récupérer tout, de casser toutes les caisses, récupérer un maximum de pommes pour se refaire des vies en plus. Du coup, ben, il faut, voilà, prendre son temps et tout casser. Hop. Tac, tac. On va se faire un niveau, je pense, par vidéo pour commencer. Ouh, j'ai failli tomber. Et puis on verra comment ça évolue. Ah, j'ai tendance à vouloir faire un double saut et j'ai pas l'habitude qu'il l'ait pas, en fait. C'est un pouvoir qu'on va pouvoir débloquer plus tard normalement, ou alors c'est que dans le 3, je sais pas, mais moi j'avais l'habitude du 3 avec le double saut. En tout cas, ça commence bien, on est au premier niveau, je commence déjà à faire des erreurs. Ok. Nickel. On va aller de ce côté histoire de voir que s'il y avait quelque chose. Oh bah parfait. Il y avait des caisses.
C'est tout ce qu'il y avait. J'ai l'impression. Nickel. Ah, il nous manque une caisse. Allez, là-bas, normalement. Parfait. Premier niveau de complété. Le petit diamant. Et c'est good. Ça fait plaisir. Parfait. Ah, il fallait récupérer une clé aussi. Ah ouais, bon, on n'a pas la clé. Hein. Continuer. Les îles Wumpa. 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 Ok, ça se passe comme ça. Sauvegarder, ouais, ok. Du coup, si j'y retourne, ça va être le chrono à faire normalement. A priori, c'est le chrono. Normalement. Pour récupérer le deuxième item, ça va être ouais, le chrono. Il va falloir faire le plus vite possible. Hop, ça on récupère. Parfait. Tac, tac. On est bon. Ah, perte de temps là. Allez, allez. Blubuga. Oui. Ah, elles sont chaudes ces tortues, j'ai l'impression. Allez, moi je passe par là, c'est plus rapide. Je sais pas ce qu'on a en temps, est-ce qu'on est bon ou pas. On l'a ou on l'a pas? Cool, on l'a. Je vais pas renommer ça. On va commencer le contre-la-montre? Non. Ah, on n'a pas débloqué de truc. Ah, je pensais qu'on débloquerait un truc. Bon, allez, vu que c'est le premier épisode, on va se lancer un deuxième niveau, vite fait. Vite fait, bien fait. Et on se laissera là-dessus, du coup. Jungle Roller. Donc ouais, objectif, réussir à trouver toutes les caisses. Pour avoir le petit diamant. Et puis voilà. Hop. Ça, hop, ça va exploser. Boom. Boom. Ouais, une moufette. Ouais, c'est stylé ces niveaux à l'ancienne comme ça. Ah, il tombe dans le trou. Ah, il revient. C'est quoi ça? Ok. Je peux pas y péter ça. J'espère que ça compte pas dans le nombre de caisses parce que sinon. Oh non. Checkpoint, parfait. Ah, ça c'est pour un niveau bonus. Ok, jusque là on est bon. Je crois qu'on n'a pas oublié de caisse pour l'instant. On a 43 à ramasser. Oh, stylé. On a fait un bel enchaînement là. Oh non!
Ah ouais, ça me one shot, hein. Parfait. Fouhou, la prise de risque là. En même temps, je redécouvre un petit peu le jeu, moi aussi, du coup. Voilà, il va y avoir quelques petits fails là, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Merde. Je voulais sauter et faire carré, mais c'était tendu là. Hop. Comment je vais faire? Ouah, cet enchaînement, c'est magique. Ouais, je pense qu'il va falloir être précis là. Parfait. Nice. Maintenant. Yeah. Ah, ça nous emmène dans un niveau bonus. Il y a 5 caisses. Ouais, nickel. Ah ouais, c'est sympa. C'est pour la sauver à chaque fois des mains de Cortex. Je crois que c'est le méchant. Ah, d'accord. Pas mal du tout. Hop. Plus que 3 caisses. Ah ouais, il nous en manque 3. Eh ben, tant pis, hein. Nice. Super, mais tu as raté 3 boîtes. Pas mal. Bon bah voilà, nous en tout cas, on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao bye.